Capitale del Burkina Faso è Ouagadougou, 1 milione di abitanti, città che negli ultimi anni ha visto crescere enormemente e troppo in fretta il fenomeno dell'inurbamento. Sotto la pressione della povertà e dell'emarginazione, il degrado familiare spinge le ragazze di queste famiglie a trovarsi con problemi di gravidanze non desiderate, AIDS e prostituzione. Ma soprattutto, il fenomeno allarga una delle piaghe sociali più gravi del Burkina Faso, ovvero l'abbandono di bambine e bambini, spesso in tenerissima età, da parte delle famiglie. Tanti poi sono anche i bambini abbandonati a causa dell'ignoranza e della stregoneria, che porta a seguire credenze superstiziose che impongono di allontanare i bambini nati con malformazioni fisiche, considerati portatori di malocchio e sciagure. Parce qu'au début, quand elle est arrivée, elle nous a expliqué que par moment, quand elle a faim, des fois, elle est obligée de manger ses feuilles et même ses racines. Zongo Wen Kuni est arrivé ici et moi quand je suis arrivé à 20h pour ma garde, je l'ai vu et j'ai dit ben tiens, voilà un enfant dont on a parlé à la télé et que je retrouve dans mon centre. Et quand on devait passer au lit, elle m'a dit que que cette chose-là, je n'ai jamais dormi dessus. J'ai dit quoi? Et elle a touché le matelas. J'ai dit donc tu veux monter dessus pour savoir ce que ça fait? Elle me dit oui. Et on avait tellement reçu d'enfants qu'il ne restait que mon lit seulement. Donc j'étais obligée de la mettre sur mon lit pour que quand même elle puisse savoir ce que ça fait comme passer la nuit sur un matelas.